une vie plus incroyable que tous les romans. L'abbé Mondoloni a été pendant près de 40 ans le prêtre de la paroisse de Ponte Leccia, dévoué à Dieu, mais pas seulement. Jean-Claude Mondoloni n'était pas un prêtre comme les autres. Né au Liban en 1939, il est fils de militaire. Jeune étudiant, il rejoint l'OAS, un combat qui le mènera derrière les barreaux. À sa sortie de prison, il rencontre la foi et rentre dans les ordres, mais pas dans le rang. Les autres étudiants l'appellent Cassius Clay, et bagarreur malgré la soutane, l'abbé Mondoloni il était, jusqu'à devenir le héros d'une chanson. Si on te frappe un jour sur la joue droite, fais comme l'abbé Mondoloni, avoue une cabane. Au début des années 80, il rentre en Corse et devient curé de Morosaglia. Là encore, loin de tous les clichés, il va s'engager au grand jour, dans le nationalisme. La mort de Jésus, d'une certaine manière, est aussi une mort politique. Donc je ne fais aucun complexe à essayer d'amener dans le monde politique une certaine réflexion et une certaine raison d'être. L'abbé Mondoloni, un nom connu de tous, un homme au franc-parler étonnant et au caractère trempé. Il fallait défendre cette terre, Terra Nostra. Qui toujours a été fidèle à ses convictions.